Mais réflexion pour là et nous gagnons l'empile. Non, non, nous gagnons l'empile bagaille. Là, je suis que. Et alors, je vais regarder est-ce que il y a un pile monde qui a fait VIA. Yeah, c'est pour ça que je me demande si tu fais VIA. Yeah. Mais maintenant, Kounia, faut quelque part pays à ouais côté lié après discours ça. Après discours ça, est-ce que ça veut dire que le président mettait de l'eau dans le moulin, manifestation, dans le moulin mobilisation, d'après vous? En effet, le fait que il pas ben aucun signal pour faire que moun yo ta gagne ou attente ne serait-ce pour réfléchir sur yo, OK? Donc pas gagne rien, c'est le vide. Donc normalement pour le dire, c'est pour Jovenel Ali. OK? Maintenant parce que un, il pas dirigeant rien, il pas commander rien et il pas même bin di là, mais qui ça que moi ouais, effectivement, me fait le constat etc., mais qui ça moi mais comment moi ouais, et que pour que moi aller parce que on pas parler ce qui ça me pas clair. Mais ce que je veux dire moi-même, mais quoi, journée aujourd'hui, hein, la société est interpellée, mais au niveau de principal personnage, personnalité qui est capable de faire quelque chose. Faut que sorti dans la réserve, ok, faut que sorti dans la réserve. Il y a, depuis quelque temps, gagné, surtout après le 6, 7, 8 juillet 2018, il y a plusieurs lieux de rencontre, plusieurs en miniature, des think tanks, gagner plusieurs cercles de réflexion, d'analyse, ok, avec une volonté qui ça nous est capable de porter pour nous sortir dans la situation que nous y est là. Et en pile. Malheureusement, tout souffrit de, un manque de courage et d'engagement pour produire quelque chose ou réflexion et camper derrière si bien que nous pas attendons. Mais il y en a beaucoup. Et qui est même qui compte Dadou là, fait des rencontres croisées. Dans ces cercles-là, ok, il y a des personnalités, il y a des gens, il y a des réflexions, je crois que, qui doivent identifier des personnalités, ok, et des personnalités de secteurs différents, ok, qui, un, je connais que il y a au secteur, même s'il n'est pas représentatif, qui représente un direct de secteur-là, société, etc., et sur cette base, ok, offrir, même si on peut gagner une proposition pour nous sortir, mais offrir que pour que il y a aller rapidement dans deux semaines, une à deux semaines, rapidement toucher quelques représentants du secteur, etc., et proposer grand dado au grand chita national côté statut président, statut élu, il y a la donne pas dans quel tabou, etc. Et je crois que là le président a bon la chance, c'est donc dire que ça fait en dehors du président, mais c'est donc dire, etc., il constate que gagnant un effort qu'a fait, il pas mettre en obstacle à lui-même, etc., et il prêt donc pour que lui appuie à des démarches là. Pourquoi une chance que le gagne. OK. Qu'on a et on va le présenter aux trois tableaux, sénateur et Leblanc. Et pour Dim Jodia, qui est celui qui plus semblé avec président Jovenel Moïse. M'a parlé de fin, la fin de Jovenel Moïse. Et trois options. Première option, on fin à la Préval, c'est-à-dire qui finit mandat pendant la nage pour le sortir et il y a des courants, des coups bas, etc., qui jouent sur le temps, qui manipulent des secteurs politiques, qui joignent un minimum de consensus avec des mondes. Ça, c'est première option. Hein. Donc, on fin à la Préval. On fin à la Aristide, c'est-à-dire chaque fois le fin monte sous pouvoir, l'oblige à quitter, il quitte en 91, il vient quitter en 80, en 2004. Donc là, on a fait deux, déplacer, quitter pays, aller en exil, ça c'est la deuxième option. Et pour bagarre à la ville, moi, Guillaume Sam, c'est-à-dire Mounio en furie, et obligé de marcher pour un président, et traîner dans la rue, etc. Donc, qui est souhait qui est plus plausible dans toi ça pour le président Jovenel Moïse, je dis? Alors, pendant longtemps, le président Jovenel Moïse a joué premier, nager pour le sortir. Et moi-même, j'ai toujours dit, formation de gouvernement, William Michel, là, etc., c'est pas une démarche pour le président mettre un gouvernement. Moi, je crois que le président n'a pas besoin de gouvernement. L'étape veut pour faire passer le temps pour privé dans un premier temps en octobre, dans un deuxième temps en janvier. Cependant, l'IPA ni mettre du temps d'ado, ni mettre l'IPA gagner autorité, ok, pour entre temps pour faire des choses. Donc, qui fait que nager pour sortir, hein, et c'est pas président qui t'a capable de réussir, c'est d'ado l'action des autres forces de la société.
avec des compositions qui viennent là, qui fait que il y a un certain secteur qui commence à faire pour intérêt, et en général, en pile monde commence à faire pour vie, donc qui fait que la bien ou blocage sous ça. Maintenant, arrêtez les deux. Dans les deux autres. Deuxième, non. Ah, l'exil, c'est que, c'est-à-dire, retirer ce pouvoir, retirer, etc., et après ça, il quitte le pays. Gagner deux forces en général qui jouent dans ça. C'est la force publique, ok, force armée, que ce soit, quel que soit sa lien, mais en général, c'était là, et l'armée. Maintenant, et puis, la force de l'ingérence internationale, ok, qui jouait et qui fait que ça réussit. Il y a deux bagailles. Jusqu'à présent, la communauté internationale, mais particulièrement les Américains, etc., montrent qu'ils ont un appui à Jovenel Moïse. Cependant, M. Moïse lui-même pas aidé pour Kimbel pour continuer à appuyer. Ce qui fait il est fort possible que yo Dado vire cap. Même si il a dit tout récemment encore là, le gouvernement haïtien Dado soutient le traité interaméricain de d'assistance réciproque là pour ça qui cap ouvert, je dirais, ouvert la porte à n'importe quelle intervention, ouvrir les yeux là, etc. C'est toujours dans le but pour Dado dit Kimbel un pantalon responsable américain que pour Kimbel tout mais situation intérieure là qui a dégradé là qui a fait que il a pas dit rien il a râlé. Donc possibilité ça ni là. Troisième possibilité là, ok, et avant hier je crois, ok, lorsque à Pétionville commençait bien premier et infraction au premier et pillage, ok, avec un incendie par la suite, et que au goût naïve c'est bien Dado encore une petite tentative, mais il était un petit peu timide, il n'est pas avancé, et on a vu aussi que dans certains quartiers qui étaient déjà contrôlés par des chefs de gang, etc., comment que il a manifesté et même a manifesté comme ça là dans le sens opposé à un pire pouvoir en place là, fait que capable d'arriver là dans une confrontation directe entre manifestants, population et la police. Cependant, moi-même a toujours dit comme ça, etc., il faut protéger cette seule force qui est là, la police, avec toute contradiction qu'elle gagne là-dedans, tout problème qui gagne là-dedans, ok, parce que n'importe qui intervention qu'on soit capable de faire en deux polices, là, qu'on y a un grand groupe qui dit, puis ça a mis nous en danger, etc., et que il agit, où il allait, puis retirer, et si ça me fait président après tout, que quelqu'un prend la cravate là, ou bien avec les armes, et puis tu papa retirer. Donc, le ça, force ça à tout, il a tout disloqué, il a tout sauté. C'est l'ouverture aussi à une intervention étrangère. Ouais. Mm-hmm. Donc, cette humiliation là, moi-même, je voulais anticiper, moi okay. peur. C'est okay. pourquoi, donc, c'est deuxième là que moi qui en face là qui peut. Ok. Ça veut dire que par rapport à et peut-être support ou bien appui communauté internationale là, pas une possibilité pour nous arriver dans la ville de Guillaume Samna. Pourquoi nous pas priver là dedans? Pour raison aussi, c'est que si on a regardé le comportement du haut commandement de la police nationale. Mm-hmm. Police nationale là, il a fait tout pour pas rentrer dans la dynamique politique là. Mm-hmm. Ouais. Dynamique politique là. Et c'est comme ça que nous interprété les faux bons, les faux pas du président du Sénat, ok, pour que pour qu'il réalise ça, qui écrit à ministre de la Justice pour demander la police pour lui occuper espace, comme si pour la police lui-même pour prendre tout espace en bas, ok, etc. Et on a vu avec quelle réticence que police lui a parlé. Oui, tout à fait. Et bien content que ma parole à Romain qui était président du Sénat. Bon, Mando, sénateur Leblanc, vous êtes président du Sénat, par exemple, dans la situation côté où vous voulez faire séance et que chaque heure pour programme, une séance n'est pas faite, qui ça t'a pris tout comme option? Alors, bon, dis avant. Bon, mais quoi, le grand problème, c'est la volonté de ne pas respecter les règles. Pour qui ça, président du Sénat, il n'est pas accroché à règlement intérieur, ok, à règlement intérieur, pour les acculer, donc. Ça qui est même pas ça, je l'ai suivi. Accroché à règlement intérieur, c'est donc ouvertement annoncé conférence des présidents,
puis pendant qu'on vise des présidents, prend décision là, etc. Et puis ensuite, on est là, ok. Il est le chef de la police des séances, mais aussi de la sécurité de l'espace, de la sécurité des sénateurs, du personnel et de l'espace aussi. Maintenant, c'est à lui-même, donc, pour qu'avec bureau, regardez comment faire. La police capable de contrôler l'espace extérieur, là. La police a toujours fait, ok? Et il a senti le plus à l'aise pour le faire. L'espace extérieur, là, non. Maintenant qu'on est là, si vous ne voulez pas rentrer dans une dynamique de confrontation directe avec des pairs, parce que quand même, le président du Sénat, il est d'abord sénateur, donc il est pair, avec des pairs, ok? Allez là, tout comme tous, si c'était président de la République, ok, pour côté qu'on arrive par rapport à propre valeur ou par rapport à conviction, etc., il faut donc prendre une décision et dire que, messieurs, dans ce cas, dirigez et assemblée, nous-mêmes, que retirons. Des fois, ça aussi, c'est une pression qui a fait que pour nous, là, il y a conformé, mais pas pour ce les règles. Mais m'a rappelé, qui me font un rappel historique, et ou même, et ou ton acteur majeur, et dans la période ça, et qui ça me voulait dire comme et acteur majeur par exemple et en 1998 et là n'a fait rappel là en 1998 où tu es président Sénat et vous songez que le président René Préval désigné Hervé Denis et tu as gagné en pile difficulté en pile parler en pile et finalement équipe OPL là tu es campé et me songer ou même comme président Sénat, OPL, où tu gagnes le major Jean et sénateur du Sud, qui t'a dit que, Paul Denis, qui t'a dit que, pour des raisons de principe, il n'y a pas voté et Hervé Denis. René Préval était mal choisi, il n'a pas respecté les principes, etc. Mais le débat est fait, comme si c'était un bel échange, etc., jusqu'à ce que nous arrivions dans le vote. Je dis à configuration différente, c'est son autre contexte, mais qui ça qui fait contexte la changer d'après vous même? Alors, faut nous dire, hein, c'est pas même société aussi, d'accord? Je vais parler avant, c'est de là, c'est qu'il y a un attente, bon côté, le Sénat et sa députée, sa qualité, c'est des noms des jeunes, des mêmes jeunes, qui ont été, ok? Oui. Qui pas aller parce que pral gondé l'osaille, mais qui aller parce que le pral tendé, qui argument, qui ça qui gagne comme une discussion. Ah oui. Donc, société en pas même du tout. Je voulais juste dire, société en plus permissive, société en d'adolant, il y a tenu avec le beau des blousailles, VTT. Tu comprends? Ouais, donc, c'est comme si il encourageait d'ado à faire ça beaucoup plus. Bon, deuxième bagage très important. Et ça me pense que c'est le mauvais héritage que 50e nom lui applique. Alors, moi, toujours dit, l'herbe du 50e, ça n'est pas bon, l'issue 50e qui spie mal, etc. Alors, je fais attention. On avait appelé la 48e la législature de la honte. Et puis nous venons 49e. Oui. Je dis que 49e, non, mon Dieu, pas un nom pour ça, ça a pis mal. Et puis nous venons 50e. D'accord? Donc, bon risque là. Pour que, si on n'y est pas fait en termes de nouvelle orientation, ok? En termes de chita parler pour nous refonder l'État et l'institution, pour que nous allons à l'élection et puis nous avons 51e que nous pas capable. Oui, mais continuance, c'est Sénateur Leblanc. C'est que dans la période que m'a parlé là, pas oublier, il y a plus que 20 ans de ça, on est d'accord. Hein? Oui, oui. Et moi-même, comme journaliste qui t'a accrédité dans le Parlement, songez, et le débat ça va fait, c'est vrai que c'est pas la même configuration jeudi, hein, et une raison qui fait ça, c'est parce que la majorité, par exemple, jeudi, au niveau de Sénat, ça, si on séance fait, n'importe qui bagaille qui a passé et on a accepté n'importe qui bagaille. Ah, c'est ça le problème, non? Contrairement à la période que m'a parlé là, mais ça me le dit, qui t'aime fini phrase là? Allez, d'accord. Même le, t'es gagné des monde qui t'a supporté ligne que René Préval le choisi avec Denis. Et là, m'a parlé de professeur Westin Emmanuel, m'a parlé de Renaud Bernardin, etc. Mais au moins, y'a gagné un discours pays, yo te gagné un argumentaire ou n'a pas d'accord avec yo, mais quand même te gagné ou te senti profondeur dans ça. Oui, oui. Te gagné un deuxième bagage, c'est-à-dire te gagné ce désir plus que désir, c'est-à-dire ce sentiment de protéger l'institution d'abord. Quel que soit côté que yo te yon, mais institution Sénat, institution Parlement, etc., eh bien,
yo la donne, c'est pour protéger. Il y a défendre l'intérêt président, oui, mais institution importante. Mais, ça me t'a dit tout à l'heure, Valérie, qui est important pour moi-même, c'est que dans le moment ça, par rapport à moment journée aujourd'hui, gagner un bagage qui passait et qui grave. C'est l'intuition de des agents du secteur privé, notamment du secteur privé, m'a dit qui est un petit peu dans le contrôle ban, dans brasser l'argent, etc., en dehors politique directement et notamment en dehors parlement à travers des parlementaires que yo dadola a alimenté en argent qui fait que discussion qu'a fait yo vin pas intéressé aussi les intérêts à protéger intérêts propres par d'abord l'intérêt de ces agents là et ça lui aller en même temps dans inclusion au niveau des décisions de l'exécutif donc des dégradations sociétales en fait que les gens du secteur privé des affaires OK qui au même t'a dit là qui gagne un petit minimum encore de entre guillemets patriotisme c'est-à-dire respect de la patrie commune du bien commun et acceptation de répondre à responsabilité des citoyens yo dans le cadre de travail qui a fait concurrence pour faire profit eh bien yo faible yo pas prononcé yo manqué courage et que on est là c'est des groupes en dedans yo qui ont même connu là pas gagné vraiment à ouais avec intérêt pays qui connu là prend politiquement en otage et qui connu là fait que politiquement répondre uniquement à intérêt pas yo côté chaque grain de monde à défendre et ça dans dernier moment que se passe là il est visible il pas étranger tout le monde et c'est ça encore qui m'a prêlé d'adola des indicateurs de décomposition de la société d'accord. Bagay yo paraît comme là nous qu'a parler de yo plus ouvertement et à chercher cause et pour nous porter remède à eux-mêmes. Ouais, mais heureusement tout, il y en a pas tout que si nous fait rappel là quand même et période ça pas de gain faire l'argent que t'as pas agité. Et dans période qui m'a parlé là, pas de gain faire l'argent, faut que sénateur de jeune l'argent, faut que député de ouais bah ça s'il t'est fait il doit te faire en bataille en cachette net. Il n'y a pas de fête sur la place publique, j'aime bien de la fête là. Comme ça qu'on fête dans notre pays, tout. Mais comme on dit, hein, société n'est pas aussi permissive, la société n'est pas admettre ça, ok? N'est pas dans l'état ça. Parce que quand même, c'est société qui a produit dirigeants qui est là. Oui, tout à fait. Il faut que nous agissions sous appareil l'État, question gouvernement, question institution, il faut agir. Qu'on a en nous fermé avec la communauté internationale, la sénateur Leblanc. Et il est clair que on va prendre exemple en dehors qu'on veut leur faire un coup de roche dans mango a tombé et puis au lieu de tomber à tel coque son brèche. OK donc on y a là faut absolument sous si mon pas monter brèche là faut absolument pied mango après s'il a tombé parce que c'est meilleure image gabaille de président Jovenel jodi a mais maintenant la communauté internationale qui kembe président Jovenel vous voulez le et puisque on certaine désolidarisation de une grande partie dans la population hein, et à président Jovenel maintenant youn effort que moun te pense que communauté internationale t'a pas fait lors du pour président Jovenel et qu'on t'a souhaité que li kembe ou dit youn effort pas le président aller et monsieur dit ça monsieur dame communauté internationale dit ça dans les coulisses et tout l'autre côté à mon rencontrer, yo pa wè alternative là. Yo pa wè qui ça a proposé pour remplacer président Jovenel Moïse, yo plus wè c'est anarchique pral vini. Donc ça c'est premier bail. Et maintenant, on dit que ou di wap kembel. Mais yo n'a pas pour montrer ou vle edel. C'est edel résoudre ça gen là yo. Là gen gros problème structurel, gen problème économique etc. Là gon quantité moyen de supposé mettre à la disposition de président Jovenel Moïse pour permettre que monsieur font Jean pour faire des actions d'éclat pour moun wè comme si m'dadou cité gen ba été café. C'est comme si m'dadou son un monde qui souffre malnutrition et puis qu'on y a communauté internationale là à bal ça puis bon avec bonbon sel. Non, c'est pas sérieux. Alors, moi-même, moi constate tout que au niveau communauté internationale, là, il faut surtout parler des Américains. Ah, okay? Tout à fait. Ouais. Il faut surtout parler des Américains parce que il y a de grandes divergences, ok. Mais comme là, nous n'en backyard, la cour États-Unis d'Amérique, donc l'autre chose pas osé prendre position. Et je crois que il y a un
indicateur qui montrait ça, c'est le fait que ça fait longtemps que nous n'attendons aucun communiqué du Congo. Parce que pour communiquer sorti, il faut gagner d'Adoula au minimum de d'harmonisation sous position pas sorti. Donc il montrait différent ça. Américains ou donc yo là, le Québec. Cependant, comme on a dit au tout début, Américains yo, il y a qu'un des présidents, etc. Mais il y a besoin de président lui-même tout aider yo, d'accord. Et pendant un certain temps, il était là. Moi, je dis aussi que nous croyons que yo même tout yo rend yo compte que président, j'ai été demandé ça depuis lorsque délégation de l'OEA est venue, et que pour président montrer que lui aux commandes, pour président prendre des dispositions. Depuis, en quelle disposition pas prendre et pas capable de prendre. Il prouve ça. Donc, qui fait que lui là, il n'est pas pété. Et comme maintenant, les intérêts d'ados américains matériels ne pas tellement paraître dans le pays. D'accord, qui fait que nous pouvons capable d'ado sont touchés en danger. Mais comment c'est qu'il y a intérêt des alliés en d'un pays, en particulier au niveau du secteur des affaires, qui commencent à menacer directement et qui fait que il y a là qui voulait prendre une position plus ouverte, plus formelle. En général, ils sont des alliés objectifs de, des États-Unis, de la communauté internationale. Pour supposition ça, la communauté intelligente appuie à eux. Je crois que là, il y a un signal pour montrer que, président, il y a une situation plus difficile. C'est-à-dire, il est toujours sous Brechtstein, pour qu'il soit sous Brechtstein, mais il y a un vent naturel qui a soufflé, etc., qui fait des efforts où elle a balancé. Okay? Donc, il s'est tombé. Ce que je pense qui est capable d'aider, c'est que, au niveau, j'aime ça dire au début, hein, les différents secteurs de la vie nationale, etc., par rapport à l'urgence qui est là, en termes de, d'explosion et probable, mais aussi par rapport à menace qui commence à faire, et que dans différents secteurs, on comprend que pour nous, ouais, comment, sinon, c'est des secteurs, mais tout au moins des personnalités, des visages, des mounes, ok, qui, en dans quel groupe, etc., capables, ensemble, etc., porter au devant, ok, pour nous sortir de cette situation. Je crois qu'à partir de ce moment, ils pourront même voir avec l'international et leur dire que c'est vrai, pour qu'on ait une alternative claire, mais dégradation telle que nous risquons de prendre un éclatement là, ou explosion là, la présence de M. Moïse lui poser problème, et qu'en ce sens, donc, on doit ensemble lui parler. Ok. Maintenant, dernière question. À qui condition OPL, Kachita, sont table négociation avec Jovenel Moïse? D'abord, après consultation avec l'autre, au niveau secteur politique, l'autre secteur politique, pour voir que, bon, pas qui a fait, etc., et pourquoi. Ok? Parce que, pas gagné un Ken Gado et, comment dire ça, solo. Par un solo qui doué à le fait là. Ok, ça veut dire que ou même OPL à titre de OPL pas prêt à accepter à l'enquête quand tu t'as parlé ben, comme ça. Non. La Feli en accord, c'est dire la concertation d'abord avec d'autres. Ok. D'autres secteurs. Ok, très bien. Est-ce que OPL a plan la rue à tout puisque on a fait de dans la rue, il y a des monde qui là, il y a des monde qui pas là, il y a des monde qui a pas appuyé sur Facebook, sur réseau social, il y a des monde qui a pas appuyé dans radio. Il y a des gens qui sont là, oui, et dans toi, ça a côté OPL à pied. OPL, pas directement dans l'organisation, mais OPL appuyer la mobilisation. Parce que quand même, il n'y a pas de fonds de mobilisation, OK, pas de ancien initiative. Je dis, il y a là, oui. Mais OPL, ouvertement, publiquement, dit qu'il y a appuyé, d'adou, il y a appuyé, il y a participé, sénateur. Sous terrain n'importe où, etc., il y a des membres OPL qui sont soutiennent. Okay. Au niveau de certaines provinces, OPL n'a pas de direction organisation. Ah, d'accord. Ok, entendu. Merci beaucoup, sénateur. À bientôt. Eh bien, c'est un plaisir. Merci également, Valérie. Voilà, notre invité, le sénateur et Edgar Leblanc, fils, hein, pour commenter l'actualité avec cette adresse à la nation, Champouel, du président Jovenel Moïse, 2h du matin. Et il y a des gens qui disent que le président n'a pas parlé avec la jeunesse parce que s'il ne voulait pas parler à la jeunesse, il t'a parlé dans la jeunesse, pas dormi.